On estime qu'il arrive environ 130 Chinois de façon clandestine chaque jour en France. Une fois arrivés, eh bien, ces clandestins sont parfois immédiatement refoulés, comme les 17 Chinois qui ont été réexpédiés vers Hong Kong hier dès leur arrivée à Roissy. D'autres qui sont passés au travers des mailles du filet commencent une vie de clandestinité qu'ils n'avaient pas imaginée. Florence Bouquillat. Chaque matin, dans le quartier de Belleville à Paris, ils sont des dizaines de Chinois à espérer du travail. Ils ont 30, 40, 50 ans, ils arrivent de Mandchourie. Là-bas, ils incarnaient l'élite du maoïsme. Souvent, ils sont en France depuis peu. Ici, ils tentent de vendre ce qu'il leur reste de force pour survivre. Moi, j'ai porté des métaux très lourds toute la journée. Et oui, nous, on n'est pas des voleurs, c'est pour ça qu'on fait ça. Il a travaillé seulement une journée. Il a travaillé seulement une journée. Il a gâté son temps pour ça. Oui, je n'arrive pas à trouver de travail. Je suis coincé ici parce que si je rentre en Chine, je perdrai la face. Pas question donc de repartir pour ces clandestins de Mandchourie, restés en France après l'expiration de leur visa de tourisme d'un mois. En France, le SMIC, on touche à peu près 5 000 francs ou 5 500 francs, pas moins net. En Chine, il touche salaire à peu près 250 francs net par mois. Vous voyez la différence. Voilà, c'est la raison. Et c'est la même raison qui a poussé la famille Tsu à émigrer en France il y a 4 ans. Mais eux ont pris un passeur très cher pour eux-mêmes, puis pour faire venir leurs deux enfants. 15 000 euros chacun et un très très long voyage. Vous avez pris l'avion à Pékin ou Shanghai? Je crois qu'au Canton, je sais pas, j'ai oublié. Et après, jusqu'où? Jusqu'à un autre pays, bah, ça s'appelle comment, j'ai oublié. Bah. Et après, j'avais rencontré un homme, je sais pas qui. Après, il m'a conduit jusqu'à un autre pays. Et après, je vais prendre un avion et je suis arrivé en France. Vous aviez un passeport? Alors oui, mais là non. On estime qu'en 2002, environ 50 000 Chinois sont arrivés en France clandestinement.